matossage. Le matossage, on parle toujours du matossage et en fait on ne sait jamais à quoi ça correspond, etc. Ben, je vais vous montrer en réel là sur Cinertiel à quoi ça correspond et puis voilà. Donc je vais vous présenter déjà là où on est. Donc là en fait on est en rose, en orange on voit Mike Golding. Ensuite à Siona en gris et en rouge mon ami Dominique Vam, nous sommes au sud de la Tasmanie. Donc le matossage, on va faire une visite du bateau. Donc là, la cuisine avec sa poubelle. Et là on est sous le vent. Donc sous le vent, là il n'y a strictement rien. Alors voilà, donc là il n'y a vraiment rien. Et là c'est l'arrière du bateau. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, l'arrière du bateau, c'est vide. L'avant du bateau, ici, alors ça c'est la soute à voile. Donc là je passe par un capot, j'espère que vous verrez quelque chose. Voilà, ça c'est la soute à voile. Donc il n'y a rien. Si, il y a là-haut des sacs à voile. Et là, dans le carton, j'ai mis les poubelles. Dans le premier sac de bouffe. Là, on revient par l'autre capot, par l'autre côté. Alors ici, bon, il y a le réservoir à gasoil, il y a tout ça. Là, il y a mon pouf parce que mon siège, bah, il s'est barré, il s'est pété. Donc, je l'ai remisé derrière. Et puis là, on a tout le matériel qui est stocké au vent. Donc avec notre meuble. Ah ben on a Monsieur Costaud, Ouchou et Monsieur Marsupi qui font du rappel sur la couchette. Bon ça c'est la couchette du bateau. Et voilà, et c'est à l'arrière ici. Où là, il y a des voiles et des voiles. Donc dans ce trou là, il y a en fait... un tourmentin, il y a deux spies, un genac et un solent. Et tout le matériel qu'on peut stocker de droite et de gauche. Donc voilà, là c'est où je dors hein, en fait. Là c'est la situation de Cinertiel en temps réel de course. Et nous allons dehors. Bon alors dehors on peut même aller jusqu'à matosser les écoutes. Enfin bon, là les écoutes là qui sont dessous le vent, ben, elles remontent au vent, elles sont rangées dans le truc au vent. Là c'est les petites protections pour éviter les embruns. Là c'est le sillage du bateau. Voilà, le petit tout de rigueur qui va bien pour le genac. Ici, ben, on a tous nos partenaires fidèles avec PRB, une petite pensée pour Vincent à chaque fois. Interface Concept, Cristal qui redonne vie à votre maison, Pierre Matinet, le traiteur intraitable. Et Alliance Construction, votre maison en toute confiance, biofibre isolation, pour parfaire l'isolation de votre maison. Donc voilà, nous sommes, on va dire, au taquet. Matossé à fond au sud de la Tasmanie avec parce que là aujourd'hui il faut aller vite, il n'y a pas à tortiller, il faut aller vite. Bon ben voilà, je vous ai pas tout dit mais au moins j'ai de quoi faire que vous posiez des questions. Allez, bonne journée à tous, salut.